Amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent sur YouTube et Facebook. Eh bien, comme chaque jour, vous êtes avec toute l'équipe de Jésus et mon guide pour vous présenter la lecture du jour. Et en ce beau mercredi 24 novembre 2021, vous êtes avec Morissette. Eh bien, comme moi, j'aime bien faire participer les autres sur ma séquence. J'aime bien partager également. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter Junie et Irine. Irine participera pour la lecture avec Junie et moi-même. Junie sera au son du piano, le psaume et le chant final. Et avant de commencer cette séquence, je vous propose d'écouter ce très beau chant de Laurence Catherine, Esprit de Dieu.
Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 5, 1 à 16, 13 à 14, 16 à 17, 23 à 28. En ce jour-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabucodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu, d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur et son esprit se troubla. Il le fit pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi et le roi lui dit « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras vêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage du royaume. » Daniel répondit au roi. « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous y avez bu du vin. Toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Mené, mené, desquels, ou farcine. Et voici l'interprétation de ces mots. Mené, c'est-à-dire compter. Dieu a compté tous les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Upharsine, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Balthazar, étant pris dans un élan de sa somptueuse fête, a désobéi en utilisant les vases sacrés d'or et d'argent enlevés du temple de Dieu à Jérusalem. Il s'est livré à l'orgueil et au blasphème et a ajouté à son acte péché et mépris total de Dieu et a bu dans les vases sacrés en l'honneur de ses idoles. C'est alors qu'apparut une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsqu'il vit cette main, il a été terrifié et fit appel à Daniel pour
déchiffrer l'écriture en lui proposant de le payer. Mais Daniel, étant un homme droit et juste, refusa totalement son offre et lui fit l'interprétation de ses inscriptions tout en lui faisant la remarque de son déshonneur envers le Dieu qui tient dans sa main son souffle et ses chemins. À lui on peut gloire, louange éternelle. Vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes les pluies et rosées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre séquence. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci Jumi pour son accompagnement du piano et du chant, du psaume et le chant final également. Merci également Erine. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour, sa paix et sa joie. Restons toujours connectés à Dieu et tous et toutes en union de prière. Nous nous quittons sur ce beau chant. Je viens vers toi, Jésus, interprété par Jumi. Très belle journée, au revoir, merci à vous, bye bye, à bientôt. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi. Qui désaltère, qui croit.
je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi. Je viens vers toi, la grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains et disposer ton âme, fermer les yeux, n'écouter que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goûte à la légèreté du silence qui t'entraîne, loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léger, auréolé de paix et heureux d'exister.